Good morgen, à l'Aïdan, les sutras aujourd'hui, le Lounishmat, et Chaya Esther Bat Miriam, ainsi qu'une fois, toi, le Vezre Jamon Ben Chaya Esther, Khamchat Miriam Bat Rosalana Ben 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 Chubiba, Inon Chai Ben Jessica, et Shmuel Meir Ben Miriam Serel, Torcha Chol Israël, si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, comptez 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Oruin, Perek Yud, Mishnah Tet Vav, la dernière Mishnah de la Maserhet Bezrat Hashem, Sheretz, Shenimtsa, Bamikdash Kohen, Motsio Behemiano, Shelo le Shahot et Tatuma, Divré Rabbi Yochanan Ben Beroka. Rabbi Yehuda Omer, Mitzvat Shel Etz, Shalo le Rabot et Tatuma. Mechal Motzin Oto, Mina Echal, ou Mina Oulam, ou Miben Oulam Vela Mizbeach, Divre Rabbi Shimon Ben Nanas. Rabbi Akiva Omer, Makom Shachavin al Zono Karet, Bal Shigigato Chataat, Misham Motzin Oto. Usha Kol Mekomot Kofin Alav Psachter. Rabbi Shimon Omer, Makom Shitiru Lecha Chachamim, Mishelcha Natnu Lecha. Shalo Etiru Lecha, Ela Mishum Shvut. On commence à traduire directement, on est dans des halachot propres au Beth Amikdash, avec les. Vous savez bien qu'au Beth Amikdash, tout était pur. On veillait à ce que les Kohanim soient purs, à ce qu'il n'y ait pas aussi de chéretz, de reptiles morts, les 8 reptiles qu'on avait pris déjà dans Shabbat, une souris, un lézard, pas le serpent. Donc un chéretz, les Shmoneh Esrasim qui peuvent rendre impurs si on les touche. Du coup, imagine, on a comme ça une souris morte dans le Beth Amikdash, c'est une grande embûche. On risque de, un Cohen risque de lui marcher dessus, machinalement ils étaient pieds nus, donc ils pouvaient véhiculer l'impureté comme ça, et devenir impurs. Et dans ce cas-là, être d'abord, tout d'abord, s'il ne sort pas tout de suite le Cohen, une fois qu'il est impur, il peut être passible d'un rimouf karet, c'est transgresse un interdit pour ne pas soulever une avoda, donc il n'y a pas question de le laisser ici. Bien qu'en général, un chéretz, un cadavre même, dans la mesure où il n'est pas encore, il diffuse pas de mauvaises odeurs, alors il est mouktsé, on n'a pas le droit de le toucher. On va permettre cette fois-ci de le sortir de la Hazara, bien qu'il soit mouktsé. On va avoir deux sujets, deux machlokot sur le sujet, à savoir comment le sortir, de quelle manière, parce que si le Kohen va le toucher, il va lui-même devenir impur, c'est un grand problème. Et aussi, deuxième sujet, ça va être de quel endroit on va le sortir, plutôt que de mettre dessus, de lui retourner dessus un chaudron pour que les gens ne trébuchent pas dessus. Premier sujet tout d'abord, Sheret Shenimsa Bamigdash. Un reptile qui se trouve dans le Mikdash, au Beth Amikdash, un reptile mort. Kohen Motsio Behemiano. Le Kohen peut le sortir avec son ceinturon. Sholo le Shahot et Tatuma, afin qu'il ne laisse pas, qu'il ne traîne pas plus longtemps, ici, qu'il ne laisse pas traîner longtemps de la Touma de l'impureté dans le Beth Amikdash. Soit, vous savez bien que le Kohen, il avait quatre vêtements, Mechnasaim, la Ktonet, le Avnet, et la Mitznefet, le pantalon, la tunique. La ceinture, eh ben il retire son ceinturon et il prend avec ça. Maintenant, son ceinturon, il va devenir impur. C'est vrai, on va expliquer la différence après avec le deuxième avis, mais lorsqu'il va l'attraper avec le ceinturon il devient impur, mais le ceinturon ne véhicule pas l'impureté au Kohen lui-même. Selon les règles, le Avatouma va le rendre Rishon, et lui, maintenant, le ceinturon qui est devenu Rishon de la Touma, qui est devenu premier de la Touma, il va rendre impur l'homme. Il va rendre impur des aliments, mais pas l'homme. D'accord? Ça, c'est le premier avis d'Ivra Rabbi Yochanan ben Broka. Tel est l'avis de Rabbi Yochanan ben Broka. Rabbi Yehuda Omer, Mitzvat shel Etz. Rabbi Yehuda, il va te dire, non, tu vas chercher un Tzvat shel Etz. Une pince en bois. Sholera bot et Tatuma. Afin de ne pas augmenter de la Touma. C'est-à-dire afin de ne pas rendre plus de Touma. Soit, la discussion, elle est comme ça. Et ici, le chasse qui est posé devant moi. Soit, je suis rapide, zélé, je me dépêche vite de le sortir. Quitte à rendre impur mon vêtement, donc j'étais marbé la Touma, j'ai augmenté la Touma, j'ai fait qu'il y ait plus de Touma, mais d'un autre côté au moins, le Sheretz n'est pas resté un instant supplémentaire ici pour rien. Soit on arrête et on va se mettre à chercher maintenant dans toute la Hazara parce qu'on va trouver une pince en bois. La pince en bois, c'est un pshutekliet, ça ne véhicule pas d'impureté, c'est pas ni ça devient impur, ni ça véhicule d'impureté, donc c'est le mieux, on n'est pas devenu impur, mais d'un autre côté, tu as passé 5 minutes à chercher la pince où est-ce qu'elle est. Donc du coup, quoi préférer? C'est la discussion entre les deux. Tanakama, Rabbi Yochanan ben Broka, il te dit, ne laisse pas traîner davantage la Touma, et évacue-la le plus vite possible, quitte à rendre un petit peu, à faire un peu plus de Touma, à rendre ton ceinturon tamé. Et Rabbi Yehuda, il va te dire, non, c'est pas grave, passons 5 minutes pour le moment, tout le monde reste bloqué, et les gens ils vont rester à côté, ils vont, personne ne va trébucher dessus, va chercher un Tzatchel Et, d'accord? Ça, c'était le premier sujet. Deuxième sujet, maintenant, par rapport à ça, Mechan Motsin Oto. Depuis où faut-il le sortir? Soit, ben, où, dans quel endroit? Alors, il y a plusieurs niveaux de Gdusha au Beth Amikdash. Depuis le moment où on arrive, il y a le Harabait,
Il y a la Ezrat Nashim, Ezrat Israël, Ezrat Akohanim. Après, on rentre dans le Ben Haïchal Vela Mizbeach, dans le Haïchal, dans le Kodesh HaKodashim. Parmi tous ces endroits, il y a plusieurs niveaux de Gdusha. D'accord? Alors maintenant, de quel endroit je te permets de l'évacuer? Soit, parce qu'en fait, tu as aussi une autre solution pour éviter qu'on trébuche dessus. Tu prends, comme on a dit, tu prends un chaudron, c'est le psarter qu'on va évoquer. Psarter, quand vous allez bientôt arriver dans les parachutes de Tourmat et Tzavé, vous allez voir, il y a marqué dans Sirotav. Sirotav, vous allez voir dans le Targum, Psarter Avoi. Ouais, Psarter. C'est le cire. Un cire, c'est un chaudron, une casserole. Donc en fait, quand tu as un chérès par terre, tu as une solution aussi pour ne pas trébucher dessus. Tu prends un chaudron, tu le retournes, et comme ça, maintenant il est protégé. Les gens, ils savent ici qu'il ne faut pas s'approcher de ça parce qu'il y a quelque chose par terre. C'est aussi une éventualité. Seulement, tu l'associes de la Touma dans la Hazara. Et quoi? Si personne ne touche, c'est pas à la fin du monde. Le problème, c'est que peut-être que quelqu'un, malgré tout, va le toucher, il va devenir lui-même impur. Et alors là, ça peut faire, comme on a dit, plein de dégâts. Tout d'abord, le fait que je sois impur dans la Hazara, c'est un grave problème. Il y a des halakhot qu'on avait appris déjà dans ma sechet, Shvuot, dans Nezikin. Il y a des halakhot qui nous avaient, là-bas on avait expliqué combien il fallait se dépêcher de sortir, depuis le moment où on devient impur, sortir avec le chemin le plus court possible, s'entraîner davantage. Donc en fait, quelqu'un qui devient impur dans la Hazara, c'est une grande galère. Du coup, quoi, comment réagir? Alors ça se passe comme ça. Mechal motzin oto. D'où faut-il le sortir? Mina echal. D'où faut-il le sortir? Depuis le Echal, si le, dans le Echal, Vada, il n'y a aucune question, dans le sanctuaire lui-même, tu le fais sortir. Ou Mina Olam, même aussi si c'est dans le préau du Echal aussi, il faut le sortir. Ou bien aussi, ou Mi Ben Aulam Vela Misbeach aussi, entre le Oulam et le Misbeach aussi, il faut le sortir. Ok? Par contre, donc je déduis, s'il est à l'extérieur du Misbéach, ouais, lorsqu'on rentre, tout d'abord il y a l'Ezrat Israël, on a dit Ezrat Nashim, c'était déjà en arrière. Quand on rentre depuis et qu'on franchit les chars du Canor, on rentre maintenant, on est rentré dans l'Ezrat Israël, on est dans l'Ezrat Israël, après 11 amas, il y a l'Ezrat Akohanim, il y a là-bas ensuite, après 11 amas, il y a de nouveau le Misbéach, après le Misbéach, il y a Ben Haolam Vela Misbéach, lui Tanakami me dit, je vais sortir depuis Ben Haolam Vela Misbéach. Je suppose, c'est pas précisé, je l'ai pas lu, mais que son problème, lui, c'est que si là-bas, un konim va devenir impur, en général, c'est les konim qui font l'avoda qui se trouvent là-bas. Donc en fait, si tu laisses l'impureté là-bas, il va avoir une avoda psoula, c'est très grave. Tandis que dans les autres endroits, c'est pas grave, t'as toujours la solution de kofalav psarter. Et Rabbi Akiva, au Rabbi Akiva, maintenant, il va permettre de le sortir dans plus de situations. « Makom shechavin al zono karet bal shigigato khatat » Rabbi Akiva me dire, dans tous les endroits où il y a un chiouv karet bezadon et un chiouv khatat beshogeg, soit, comme on a dit, le fait d'être impur au bet amigdash, c'est un chiouv qu'on est passible de retranchement. Alors va là-bas, va étudier dans la lachot, de quel endroit on est tellement mahmir, dans quel endroit on est tellement mahmir qu'il n'y ait pas d'impureté. Donc en réalité, tu vas voir que c'est toute la Hazara, et donc de toute la Hazara, tu dois le sortir de la Hazara. Ok? Donc en fait, la discussion entre Tanakama, entre Rabbi Akiva et Rabbi Shimon ben Anas, elle est à savoir sur la Ezrat Israël, Ezrat HaKohanim, et aussi Makom HaMizbeach aussi, ça fait l'équivalent de 22-44 amas, je crois, un peu plus même. Tout ça, tout ce shetach, toute cette surface, il faudra le sortir selon Rabbi Akiva, mais pas selon Rabbi Shimon ben Anas. Par contre, Misham Motsin Oto, de là-bas, je te dis de le sortir, le Sheretz, impur. Et de tous les autres endroits où je te dis de ne pas le sortir, malgré tout, tu ne le laisses pas comme ça, tel quel dévoilé. C'est une embûche. Mais quoi, tu fais quoi? Qu'au final, psarter, tu lui coucheras, tu lui mettras dessus un psarter, un cire, un chaudron. Ok? Maintenant, on va voir le Rabbi Shimon qui va nous dire une phrase qui est littéralement incompréhensible. Elle n'a aucun rapport avec notre Mishnah, elle se rapporte à deux Mishnahs en arrière avec l'histoire de la corde du Kinor qui s'est craquée pendant Shabbat. Et ça se passe comme ça. Rabbi Shimon Omer, il faut plein d'introductions pour comprendre cette phrase en fait. La Gemara rapporte des braytot pour expliquer ça. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, « Makom shetiru lecha chachamim » Dans les endroits où ils t'ont permis chachamim, « Mishelcha natnu lecha » C'est de toi qui t'ont permis de le faire. Car ils ne t'ont permis que à cause de Jvout. Une phrase incompréhensible.
Je vous explique d'abord tout ce qu'il faut introduire. Il y a un nom, Barthénois, qui explique, succinctement, ça se passe comme ça. Désolé, je suis très perturbé avec ces bruits, mais ça se passe comme ça. On avait l'histoire avec la corde du kinor, du violon, ou je sais pas, la guitare, de la harpe, je sais pas exactement, qui se craquait là-bas, au Beth HaMikdash. On avait permis de lui faire un nœud. Et en réalité, on avait pris que... Il y a deux parties. On imaginait que c'est comme une guitare, il y a l'endroit où on joue, et l'endroit où est-ce qu'on l'attache en haut. Le Tana de la Mishnah, il avait permis de faire un nœud sur toute la partie où on joue, parce qu'on n'a pas de crainte. Tu fais un vrai nœud, pas un nœud, pas un kécher à Niva. D'abord, peut-être qu'il faudra introduire autre chose. À Shabbat, il y a deux types de nœuds qu'on peut faire. Il y a un nœud qu'on fait, un vrai nœud, qui est kécher shel kayama, un nœud fixé qui va rester comme ça pour toujours, qui est capable, après rester toujours, mais aussi ce qu'on appelle le kécher à Niva, un nœud coulissant, où on peut le défaire en tirant sur un côté. Ce nœud-là, le nœud coulissant, le kécher à Niva, la boucle, on transgresse jamais d'interdit de la Torah. Il y a peut-être une discussion sur le Rabbi Yehuda, mais en tout cas, on tient la halakha qu'il n'y a aucun interdit de la Torah à faire un kécher à Niva. C'est sur ça spécifiquement la marloquette. En deux mots, il y a Rabbi Shimon, il me dit, je te permets de faire comme deux, qu'un kécher à Niva, tandis que Tanakama m'avait permis de faire un vrai nœud. Mais j'explique un petit peu mieux. Faire un nœud, un vrai nœud qui est capable, qui est apte à tenir, je transgresse que si concrètement je prévois de le maintenir, ce nœud. Mais si je fais un nœud de manière très, très provisoire, imaginez par exemple mes chaussures, j'ai pas assez de lacets pour pouvoir faire un vrai nœud. Un nœud de lacets. Donc du coup je vais faire un nœud. Maintenant il est évident que je vais pas laisser mes chaussures éternellement dans mes pieds. Donc quoi qu'il arrive, je vais finir par l'ouvrir le soir. Dans ce cas-là, si tu vas faire un nœud là-bas, un double nœud, tu transgresseras pas d'interdit minatoire. Pourquoi? Parce que quoi qu'il arrive, il manque la condition élémentaire même. C'est de faire un nœud qui va être prévu pour durer longtemps. Dans certaines conditions, il y aura des interdits des rabananes, des interdits, mais en tout cas, et parfois même des permissions, mais en tout cas, un interdit de la Torah, il n'y aura pas. Du coup, je reviens maintenant sur le kinor. Dans toute la partie où tu joues, si tu vas faire un nœud, quoi qu'il arrive, tu ne vas pas laisser traîner ça. Dès que ça va finir Shabbat, tu vas redéfaire le nœud et arranger de manière à ce qu'il n'y ait pas de nœud dans toute la partie de la corde où tu grattes. D'accord? Ça, c'est... Donc du coup, Tanakama, il te dit, tu sais quoi, tu peux même faire un double nœud si tu veux, même si c'est pas un nœud coulissant, il n'y a pas de problème, tu vas pas laisser ce nœud, tu risques pas de laisser ce nœud, donc je te permets de le faire. Ça, c'est Tanakama. Rabbi Shimon, maintenant, vient dans la Braïta, il explique, il te dit, non, je te permets pas de le faire. Parce que si tu vas commencer à faire un double nœud, alors du coup, tu vas te commencer une autre fois, tu vas même au Beth Amikdash. Si je te permettais un double nœud, tu vas ensuite faire un autre double nœud ailleurs et tu vas transgresser un interdit minatora. La seule permission qu'on peut te faire, c'est de faire un nœud coulissant, un kécher, un iva, une boucle. Tu fais une boucle et comme ça, tu continues à jouer de l'instrument. Ok? Du coup, ça, c'était avant d'arriver à la Mishnah. Notre Mishnah, maintenant, il y a une question qui se pose sur Rabbi Shimon. Quelqu'un qui pourrait lui dire, mais dis-moi, Rabbi Shimon, là, tu abuses. Il y a une autre fois qui remonte à la fin de je sais plus quel Perek, Shlishi, Revi. Il y avait là-bas, je vous rappelle très rapidement, l'histoire avec le Troum Shabbat. Vous vous rappelez l'histoire, on avait appris dans le Perek, l'histoire avec le Troum Shabbat. Ne pas sortir le Shabbat à plus que 2000 amas. Normalement, celui qui se retrouve à l'extérieur du Troum de la ville, il ne peut plus rentrer dans la ville. Là-bas, on avait eu Rabbi Shimon qui nous avait dit, tu sais, je viens, je t'apprends quelque chose. Jusqu'à 15 amas à l'extérieur des 2000 amas, je te permets de rentrer. Rabbi Shimon, il était très mekel. D'accord? Quelque chose qui était en théorie interdit, Rabbi Shimon, il se met à le permettre. Et là, on a Rabbi Shimon, quelque chose qui est apparemment permis, il interdit. Donc du coup, Rabbi Shimon, on lui demande, fais un petit peu d'ordre. Des fois, t'es de Mahmir, des fois, t'es Mekel, selon quel ordre tu joues. Sur ça, vient Rabbi Shimon et il se justifie, c'est notre Mishnah. Makom chez Tirole Chachamim, lorsque Chachamim, ils t'ont permis, c'est-à-dire lorsque je t'ai permis de rentrer dans la ville, tu sais pourquoi? C'est parce que Michel Khan a Tolecha. Ils t'ont permis à toi de ce qui t'appartenait. Parce qu'en réalité, on avait expliqué que lorsqu'il calculait les mesures, il calculait les mesures très strictes. Donc en fait, lorsqu'il fixait le Troum Shabbat à 2000 amas, en réalité, ils avaient perdu l'histoire avec les mains. Qu'il fallait tenir la corde et calculer avec une corde qui faisait 50 amas. Du coup, lorsque tu calcules les 2000 amas, tu as perdu 2 points à chaque fois que tu as fait une mesure. Du coup, tu calcules, en fait, il va te rester en fait 15 amas à la fin. Et ils faisaient exprès de faire ça. Ils étaient mahmir sur ça, comme ça les gens, ils vont pas naturellement dépasser la limite et se retrouver en problème. Donc du coup, c'est Michel Khan Natonecha. C'est pas qu'on t'a fait une grande permission, c'est qu'en réalité, c'était à toi, c'était permis. Shelo itirolecha et la mishum shvut. Par contre, dans le Beth Amikdash, lorsque je te demande de faire le nœud, je ne te permets de faire que des nœuds de la sorte
Ou, au maximum, il y a un interdit de Shvout, un interdit de Rabbanan. Or, si tu vas te mettre à faire un vrai nœud, même si concrètement, mais si tu ne transgresses pas l'interdit dans cette situation-là, mais tu vas faire le nœud ailleurs, tu vas faire le nœud plus haut dans la guitare, tu risques là-bas de transgresser un interdit Minatora. Or, je ne vais pas te permettre ce nœud-là de peur que tu vas te transgresser l'autre nœud. D'accord? Et Salik, Maserhet et Rovin, on a fini Baruch HaShem, la 23e Maserhet depuis notre programme de Mishnah. Je suis très fier, très content. Surtout que, franchement, Rovin pour moi, c'était le grand challenge de tout Maserhet, de tout Seder Moed. J'avais peur, je n'avais jamais fini jusqu'à maintenant. Là, je l'ai fini en Gemara. Baruch HaShem, on a pas mal déblayé et compris, tant bien que mal, ce qu'il y avait. Baruch HaShem, peut-être qu'au prochain mars, ce sera encore mieux. On commence tout de suite Maserhet Psachim. Or le Arba, Asar, Bodkim et Arba, et Achametz, le Or, Aner. La veille du 14 Nissan, Botkin et Hametz, le Roner, il faut faire la bdikat Hametz, rechercher le Hametz. Mais Racham, on expliquera tout ça dès la prochaine Maserhet. Il n'y aura pas de Bechaïm, étant donné que je suis en train de tourner ce Shiur avant la Tfila. Je suis malade ces derniers jours, donc je n'avais pas de force le soir. Je suis levé avant la Tfila pour le faire. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Cette journée pleine de Hatzlacha, Kol, tout cela, Mazal Tov, Mazal Tov.